Hello, 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 comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, je suis excité. On va starter, enfin, mon projet de faire mon propre VTuber 3D from scratch. J'ai hâte de starter ça. Aujourd'hui, ça va être bien compliqué. On va commencer par, c'est vraiment le tout début, là. Je vais essayer de tout faire en live. Fait qu'en gros, on va starter par la recherche, la récolte de références avant de se mettre à faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça va être surtout ça, de la recherche, des idées, peut-être des petits sketchs aussi si on a le temps. Pense pas que je pourrais streamer très longtemps étant donné que je travaille à ce soir. Va mettre de la musique. Ça. Parce que mon setup est pas mal prêt. Fait que là, c'est ça. Première étape, la recherche de référence. Très important à faire. Il n'y a pas d'artistes qui n'ont pas des références pour se guider, mais aussi pour s'assurer que notre travail soit le plus détaillé possible. Il nous faut des références. Alors, on va commencer par le design du Red Panda, parce qu'on va faire mon propre modèle. Donc, sur ce, je vais chercher les Red Panda. Ouais, ces petites bubbles-là qui sont trop cute. Avec surtout les couleurs, là, ça c'est très important à garder. Ouais. Avant ce genre de couleurs-là, déjà en partant. Aussi les motifs des pandarons, on voit que. Le ventre, les avant-bras sont en pelage noir, l'extrémité de la queue aussi. Il y a des petits détails de blanc, les oreilles, autour du museau, les joues aussi au-dessus, comme des petits sourcils au-dessus. C'est vraiment cute. Petite rayure sur la queue. Ça aussi, c'en est une. Voilà. C'est quoi ça? Oh my! Oh my! That's so cute, that's so cute. Ok, des petits trèfles de Pandaro. C'est génial, c'est cool. J'aimerais voir un close-up de son visage. Un petit visage noir. Petit visage. Oh. Oui, une petite langue. Petit profil. Petit trois quarts, ouais. Petit panda. Vraiment bel animal. Oh, avec les yeux fermés, ça peut être cool ça. Perfect. Je sens un peu que ce soit beau. Ça. Oh, parfait. Perfect, perfect, perfect.
paw print. Alors de quoi? La majorité c'est des trucs qui n'ont pas rapport. Oh, that's cute. That's a panda, le panda géant. Ah! L'anatomie. C'est bien cool ça. C'est bien cool ça. Attends, on a des notes sur les facial patterns. Les pandas roux. On emprunte ça. Yoinks. Checker ça, yoinks. Des refs de dessin. That's cool, that's cool, that's cool. Mais là, je veux des paw prints. Sont-tu là? Non, ça, c'est panda géant. Shoot, shoot, shoot. C'est classique, simplified. Prince. Si je vais. Regarde. C'est ça que ça ressemble, c'est pas Prince. Red Panda Pass. Aha! That's cool, that's cool, that's cool. Ça qu'on connaît, c'est ça qu'on connaît. Red Panda Little Pass. Oh, that's cute. Serious, so cute. J'adore. C'est pas vraiment de checker ce qu'ils autres font. Je vais avoir des paw prints. Quoique, je pense que ça, c'est des assez bonnes refs de paw prints. Parce que je vais prendre à intégrer de quoi quelque part dans le design. C'est pas un petit alpha de paw print. J'arrête tout pour un panda roux. D'après moi, ouais. Mettons, si je vais chercher. Bah, je fais ça plus sur mon programme de dessin, avoir une palette de couleurs. Je me demande si je peux faire. Si je suis capable de faire un petit tableau, non? Peux-tu faire ça dessus?
Ok, on peut pas faire de tableau, mais je pense que c'est good enough. On sent un petit peu plus propre. Panda, ça au centre. Petit close-up, les paw prints en dessous. I should be good. Là, moi, je pense faire mon modèle. Cute. Mais qui est so cute. Whoopi. Mango. Is to find some anatomy reference. Reference. Si on trouve pas ce qu'on cherche, ici. Je vais aller un peu sur le androgynous. Non. Non, c'est androgyne, comment on dit ça? Bon, attends. Any reference? Body. On cherche des rêves. On cherche des rêves. Ok, c'est majoritairement féminin. Si on cherche... En vrai, j'aurais besoin un peu des deux. Comment on peut faire ça? Oh, il me faut un compte. Fuck! Oh, wait. Anime reference pose. C'est un site de référence. Ah oh ben, c'est bien cool. Ah, on va aller voir Google Images. Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Ah! Différent body shape. Ok. Coupe ref. That's cool, that's cool. Attends, on va faire un reference sheet, fait que je sais pas si prends mes sketchs, je vais commencer en de quoi plus dynamique. Mais il faut que je fasse en un dessin. Thinking in 3D. Ooh. Oh, that's, ça peut être nice, étant donné que je suis un 3D artist. Réfléchir de même, c'est comme avec des polygones. Je suis comme, ok, ok, ça me donne une bonne idée. Mettons si on va chercher plus male body after. Let's go, family. Join ref. Ok. C'est un comparatif ça. Pas long, c'est pas long.
Attends, si j'ajoute. Voir. What's the main difference? We want cute, non-muscular. Ça c'est pour rien. Let's go, let's go. Okay. You know what, right? Save so. Really. Puis je vais faire. Oh, damn. Voilà. Là, je peux stater une nouvelle. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais juste acheter une note pour dire searching. Et voilà. Oh shit, with shading and everything. I'm scared. Attends, je vais chercher à l'extérieur, voir si ça me montre rien de whack. Ok, c'est des références. C'est good, c'est good. What the fuck? Let's come something in the middle. Ok, c'est vraiment. Ok, non, il y a des trucs wack. Il y a des trucs wack. Je pense qu'on a compris. Bon. Ok, je vais imaginer une note. C'est des.
pense. Voilà. Est-ce qu'on search tout pour des habits, des vêtements? Je penserais pas, non. Là, c'est important de réfléchir à comment incorporer le concept du panda roux à travers un personnage. Ça, je vais... Oui. Voilà. J'ai pas Photoshop sur mon ordi, fait que on va dérouler that. Viens ici. Viens ici. Boum. Voilà. Un nouveau fichier. C'est quoi que j'utilise déjà? C'est ça. 16 par 10. Second step. Sketches. Ça n'est pas. J'ai un truc nice qui peut être à faire, ça serait de l'étiquette simplifiée. Attends, je suis pas habitué. Quels sont les paramètres de la brosse? Ah! J'ai l'habitude de Photoshop. Sketch. Et un petit panda roux là. Chose importante, c'est la forme des oreilles, comme petit poil.
pas qu'ils partent de même là. I'm not the best at drawing, ok? But I try. Yep, check it out. That's not what I need to do. C'est plutôt droit ici. Mettez aussi vos petits yeux. Vos petits yeux ronds là. Symétrique là, on parle là, la ligne elle devrait être plus fin ici. J'ai la tête penchée, ça se peut que mon avatar et le tracking se fait pas super. Un petit pont de roue. Je capote beaucoup trop avec ces petites bébés bestioles là. Et
fait un méchant gros front. Non? Mettons, on prend le principe de mes oreilles qui sont à peu près diagonales. Comme ça. Une petite ligne droite, comme ça. Je prends lui ici, mais sa petite oreille ici, après en diagonale. On fait des sketchs en ce moment aujourd'hui. On fait juste mettre le maximum d'idées sur papier. Je peux y regarder là non plus. Par là-haut, ni madame. Même ça laisse un village. Faut réfléchir aussi aux features qu'on veut garder. Puis déjà, là, les couleurs ici, là, magnifique. Magnifique. Tout de suite, là, color pick. Je peux-tu color pick avec ce programme? Non, je peux pas. Hein. Si.
si je fais. Plus. Il est où? Hein? Voilà. Ben voilà, ok. Je le voulais dans... J'avais appelé comment déjà? Attends, j'avais créé un nouveau dossier. Ah, ici. Speeches, voilà. Pas de signe. What? Ah. Weird. Weird, weird, pas mal. Je vois le ici là, il est dans un comme petit mauve, petit bleuté là, c'est le noir. On va essayer de l'obtenir celle-là aussi. Petit noir, on va faire le bleu. Pour les highlights là. Merci. Dans un noir plus ou un rouge. Ça c'est un genre d'highlight. Popé, popé, popé. Là, le blanc, il y a un petit beige au blanc. Ça serait mes cordes de dépense, pas pire. Je dirais que lui, c'est
topic. Celui-là, un petit peu plus proche de cette couleur-là, ici, quoique. Ouais, je préfère pas celui-là. Et voilà, cette couleur-là, puis les highlights sont dans, on mettra ça. Ça. Maintenant, on prend ça comme étant nos comment on écrit palette. Fait qu'on a une section de couleurs. Pas pire, pas pire. Là, ce qu'on va essayer de faire. C'est. Body. C'est de. Trouver les proportions qu'on souhaite avoir. Si je réfléchis ça en 3D, tu y arriver? Mettons, I want small, I want small. Fait que, attends, si je laisse une, le bassin. Je suis en train de le faire sur cette layer là. Oups. Salut, salut, hello brother, hello, hello, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Oh shit, t'es encore dans une pub. Hello, hello! Ah, bonjour, bienvenue! Et hey, soit bien, je m'excuse, c'est une pub. J'espère qu'il n'y en a pas trop.
J'essaie d'en mettre le minimum. Comment ça va? Comment ça va? Ok. Ben oui, je vais super, je vais super. Aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, je commence les premières étapes de conception pour refaire mon modèle 3D. Celui-ci que j'ai en ce moment, je l'ai fait dans Viroid rapidement quand j'ai commencé, mais là j'aimerais faire de quoi from scratch. Make it all myself, ce qui va être génial. Puis là, on a fait les premières étapes de référence, puis là, on est en train de faire des petits sketchs. Yes! Tu vas voir. Tu vas voir, ça va être génial à la fin. J'ai tout de suite envie de me mettre sur le 3D. Oui, je l'ai fait, j'ai fait! It works now. Mais c'est pas vraiment une toune, mais c'est de quoi comique. Oh shit, on l'entend à peine. Attends, ça on a l'air. Y'a-t-il moyen d'augmenter le volume? Il faudrait que j'aille. Ah, il faudrait que j'aille ailleurs. Hello, Evrignon. Wahello, thank you. Ce que je trouve vraiment drôle. Je vais essayer de trouver une manière si je peux augmenter son volume. Oui, je l'avais mis, je l'avais fait dans quoi? Ah mais je l'ai pas un j'ai pas fait un separate audio ouais. On fait ça déjà. Comment on fait ça déjà? Il va directement dans mon. Ah oui. Moyen. Attends. Je peux pas. Ah oui, je peux augmenter les swells. Je sais pas si j'en ai ajouté trop ou pas assez. Aucune idée. Next time we'll see. Ou si j'ai de la musique dans les oreilles, c'est peut-être pour ça que je l'entends pas beaucoup. C'est pas une musique, mais c'est un Hello Everyone. Wahello, thank you. Que je trouve absolument hilarant. I wish I was a woman. Là, en ce moment, on est en train d'essayer de voir si l'anatomie est correcte. Si on... Essayer de trouver une anatomie correcte.
être carré ici. We're small on it. Small body. Si je veux faire avec un plein à l'intérieur, je comprends pas. Un plein à l'intérieur. J'ai pas compris ta question. Par plein, tu veux dire quoi? Parce que là en ce moment je me lance juste sur des sketchs pour avoir un bon feel de à quoi je veux qu'il ressemble. Puis mettre un costume par-dessus. Ben éventuellement j'ai pas encore fait mes recherches, mais éventuellement oui, je vais designer des vêtements. Mais là pour l'instant je veux designer son apparence puis sa silhouette avant de me lancer sur les vêtements. Puis non, ici j'ai juste dessiné un pandarou parce que ça me tentait. Puis après j'étais allé chercher ma palette de couleurs là, qui est ici. Là. Ça c'est le white, c'est le pelage noir, puis l'orange. Quand même une petite apparence un peu féminine. Malgré ça. Un peu. Les mains par contre, ça c'est mon Nemesis là. Pour l'instant ça ressemble à des petits blocs parce que... Nemesis. Alors, c'est celle-là devrait être plus basse que celle-là. C'est tout le dessin qui est en MSS. Pas pour tout le monde, puis même là, genre, j'ai encore besoin de beaucoup de pratique, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné, puis. Je voudrais
faire des super bons dessins, mais la plupart du temps, j'arrive jamais à les finir, puis je suis jamais content. Mon plus fort, tu sais, mon skill, c'est surtout en 3D, la création 3D. Avec le dessin, c'est pas mon fort, mais j'aime beaucoup, pareil. J'aime beaucoup. Je fais de mon mieux. Mais ça reste un skill qui est pas facile à apprendre. Sorte de souliers là, comme ça là. De référence des talons, non. De quoi plus comfy? I strive for the comfy. Strive for the comfy. Qu'est-ce qu'on en pense ça, de la longueur des bras, la taille du corps vis-à-vis les jambes? C'est quand même cool. Je suis quand même surpris. Je suis quand même surpris de moi-même. Après ça sera of course la tête, mais ils ont pour où ça? Ça? Attends, le un de tes mots a été a été bloqué. Ou alors c'est t'appelles ça des bots, mais on dit pas l'autre mot, ok, s'il te plaît. Mais je comprends, mais ça c'est plutôt genre des pieds dessinés à la va-vite là. C'est pas vraiment des bottes. C'est à peine des souliers, là. Ok. C'est comme un sketch à la va-vite avec des tarais, ça. Je suis en train de me demander si j'aime beaucoup cette shape là. Déjà, j'ai remarqué que. On va juste augmenter ça un petit peu. Oui.
C'est rapide, là, c'est fait. Ouais. Mettons. Il y a de beaux volets, en effet. En même temps, vu que c'est très stylisé, les proportions sont exagérées, là. Ok, c'est vraiment. C'est des drôles de proportions, ça. Faut que je réfléchisse là-dessus. Ah, mais c'est parce que je l'ai fait à partir de la pointe des pieds. Ce serait plutôt ici. Je pourrais augmenter la taille. Ou j'ai fait les jambes trop longues. Ce qui pourrait être très bien le cas. Si j'ai scaled down un petit peu là. Déjà c'est beaucoup mieux ça. Mettons, on calcule rapidement là. Ça plutôt ici, ça commence. Les hanches sont là. Je reste à cette taille là. Les épaules. Ah ouais, déjà. Ah ouais, déjà. Au moins, ça va pas durer longtemps. Ok, au moins on a. C'est beaucoup mieux. Même si je trouve que les proportions sont un peu déséquilibrées, si je fais de quoi assez stylisé, ça devrait être pas pire. Hello Samir, coucou coucou, comment ça va? Ça va bien? Oui 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 oui, qu'est-ce que tu fais quoi de neuf là en ce moment? C'est pas grave, je l'ai compris, pareil. Les kit build. Mais ton next job. Ah, ok, tu changes de job ou. T'as-tu trouvé ailleurs, moi? J'espère que c'est pas ce que je pense.
Si on veut, on va pouvoir essayer une autre proportion. On n'a pas de problème. Cette fois-ci, on donne un petit peu plus d'importance au torse, mettons. Les plus petites jambes. Acquis un stage. Ok, c'est un stage étendu. Ok. Mais rien de trouvé pour l'instant. Bon. Tu vas trouver. C'est dans quel domaine? Déjà, je pense. Tu me l'avais-tu déjà dit? Je me souviens plus. En informatique. Okay, je connais un petit peu plus de domaine info, ben, jeux vidéo, moins informatique. Là, je pourrais pas t'aider, mais je te souhaite de trouver de quoi. Pour en attendant, relax un peu. Regardez, c'est une belle petite bine encore une fois. Bine. Non, je vais être à peu près ici. Ça demande genre bac ou 5 ans d'expérience de m'ajouter des postes que tu trouves. Ah ouais, en effet. Ouais, j'ai des cousins qui sont justement d'informatique, puis c'était chiant. Des salaires d'expérience qu'ils demandent, là. Genre les entry jobs, là, c'est tout ça à trouver, ouais. Je te souhaite bonne chance parce que, ouais, les entry jobs. Continue de chercher. Il y a plein de sites nous, qui offrent les Québec où tu peux voir les postes d'emploi. Éventuellement, tu vas trouver. Un couteau suisse qui demande juste d'aiguiser quoi? En gros, t'as beaucoup de skills, mais il te manque de l'expérience. C'est ce que tu dis. Yeah. C'est pas mal mon cas aussi, là. Je suis pas encore prêt pour aller sur le marché du travail pour l'instant, là, dans mon domaine, mais j'ai beaucoup de skills, mais j'ai pas tant d'expérience. Éventuellement. Des fois, c'est des projets, des plus petits projets pour aider à avoir un petit peu d'expérience. Tech, mais besoin d'expérience pour. Ah, la spécialisation. Ouais. Ouais, non, c'est pas facile, comme même moi en ce moment, je suis un peu genre touche à tout, fait que techniquement, je pourrais être comme un artiste généraliste, mais le marché du travail demande des spécialistes. Puis pour être spécialiste, il faudrait que je me concentre sur un ou deux skills précis, puis que je m'arrête dessus. Un chignon avec un bac. Ouais. Mais le bac, ça ajoute quoi à ton deck? Ça ajoute-tu de quoi de gros ou c'est comme juste. Juste du flou-flou?
L'algorithme, tu sais, dans certains bacs. Ok, mais c'est pas nécessairement ce que tu veux faire ou c'est quoi qui t'intéresse? Parce qu'il n'y a rien de mal à faire un bac, là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Hein. Puis à la fin de mon bac, c'est sûr que je vais rentrer junior, là, c'est normal, là. Ah, tu veux juste la Prague. Ok, ouais. Ouais. Je vois. Mais, ouais, les trucs plus spécialisés, il faut passer par l'uni. Yeah. Mais toi, tu fais plus de la Prague informatique, logiciel, ou. Ce qui m'attire le plus, c'est le Backend API. Je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Le plus de prog que j'ai jamais fait, c'est du blueprint dans Unreal Engine. C'est pas mal ça, mes connaissances. Backend API. Ça mange quoi en hiver, ça? Les bots Discord. Ok, ça utilise l'API Discord. Ok, je comprends. Fait que tu utilises de quoi qui appartient à Discord pour faire de quoi de plus, genre. De référencement de film des données d'API. Ok, mais c'est quoi un API? Je suis vraiment curieux. Je pense avoir déjà entendu parler, mais je sais pas souvenir. Ouais. Mais je devine là, si c'est ce que tu utilises pour après. Attends, si tu crées des bots là, c'est sûr. J'ai l'impression que tu utilises ouais, de quoi préfet. Genre tu lances une requête sur une URL avec des données pour pouvoir contrôler par l'API sur une base de données un système qui a besoin d'être sécurisé. Wow, mon cerveau, tu m'as perdu. Communication de base de données, genre.
Ouais, la police et la garde de bord de nuit. Ah, ok. Fait que c'est comme ce qui régule les va-et-vient des données puis de ce que le monde font. Ok. Je comprends un peu mieux. C'est ça qui t'intéresse, c'est quand même cool, c'est quand même cool. Mais là, je sais pas s'il y a beaucoup de postes dans ça spécifiquement. Ouais, ça t'offre des actions limitées sur ce que tu peux faire sur un système limité de débordement. Ok. Ça suit beaucoup ou en ce moment ça va pas super dans l'industrie pour le IAPI? J'ai refait les exactes mêmes proportions. C'est pas ça que je veux faire, mais bon. Mais je pense que j'aime beaucoup ces proportions-là. Ici, là. Ici, là. C'est A. C'est ça, je vais garder. Oups. Surtout que le fait que je commence par la silhouette de mon personnage, ça va me permettre de créer un modèle 3D avec la silhouette. Puis après, ce que je voudrais faire, c'est que le moment où je crée les vêtements, j'aimerais faire en sorte que mon modèle, je puisse avoir plusieurs vêtements possibles éventuellement si j'en fais d'autres. Ça serait cool. Ouais, c'est ce qui est utile le plus souvent dans le web, justement. Qui monte la météo. Ah, oui, ok. Ça c'est cool, ça c'est cool. Ok. Fait qu'il existe les bases de données générales. Puis il y a beaucoup de sites qui est pigé là. C'est génial ça. Super à l'aise à dessiner des visages, mais on va tenter. Pour les devs, ouais. Oh oui, c'est bien ça, ça a l'air vraiment utile, ça. Ça a quand même complexe. C'est quand même cool, c'est vraiment cool. Mais là, c'est ça, là, c'est de trouver une job dans tout ça. Ben déjà, j'imagine que tu as les connaissances nécessaires pour starter là-dessus. Okay. Quand tu vas chercher, il va exister des firmes qui en cherchent, nous, souvent. Des fois, c'est pas nécessairement des grosses compagnies, là, mais des plus petits. Là. Je préfère mettre sur GitHub et mettre dans ton CV. Décider de thème d'appli.
Qu'est-ce qui pourrait faire un pi? Ouais, non, c'est ça. Pas faire de quoi qui va t'essouffler, là, mais de quoi qui est comme. Qui va être original, puis qui va bien paraître dans ton portfolio, là, ouais. Ouais, non, définitivement, définitivement. Oh shit, une liste de VTubers. Il y en a beaucoup aussi. J'ai oublié de chercher des refs de visage. À un moment faire un bot qui fait les cartes de VTuber, mais ah, ok, ouais. J'ai un bot qui automatiserait tout seul. Ouais, il faudrait l'approbation des modos. Ce que j'entends pas en ce moment, ça va être un méchant gros projet. Parce qu'une fois les sketchs terminés, les concept art terminés, il y aura bien sûr le modeling. Puis le rigging. La conversion, les key shapes. Ça va être beaucoup de job, ça va être beaucoup de job. Attendez. Pardon. Qui check mes références.
des références de lieux. Ouais, des références de coupe de cheveux aussi. Personnel me donne juste le signe de poche à travailler avec des appuis existants. Le thème peut recréer, genre. Ouais. Complexe et complexe. Parce que même moi, je sais pas quoi te proposer comme idée, là. Si je pourrais te proposer comme idée. Oh, that's a cool app pour les cheveux. That's great for the eyes. C'est plus pour les plis de vêtements. Tu peux de références intéressantes, mais pas les références que je cherche. Faux prélex en projet d'école comme premier pied. Spire du bot d'escode qui change le côté à refaire pixelement. Ouais, ok, de quoi tu fais que genre liste de Pokémon, puis les trucs de même. Ah si, ah si, ah si. Quelque chose que ça fait. Oh, pas mal. Oh shit, la perspective là-dessus, regardez. Reference, or is it so high? Not sure about that. Not so sure about that. Je regarde l'heure, là, c'est bientôt le temps que je parle. Wait. Non. Je vois quoi du temps. Je suis en train de me tromper dans les heures.
that people are good at drawing. C'est plus expressivity. Oh shit, les petites bike maps, c'est bon ça. Which shading I mean? It's cool. Shading. Je pense pas que je vais me rendre jusque là. Ça c'est une référence de visage. Pour la shape c'est good. Si je cherche pour des hair. La fameuse octopeluche reverse, ouais les reverse peluches, les peluches reversible. Je sais que la compagnie T-Turtle, ils en font beaucoup. Check on pour les hairstyles. Moi j'aimerais les reversible mais genre un panda roux. Ils sont vraiment cute. Shit, il y a des belles coupes de cheveux ici. Mais je sais pas encore qu'est-ce qui fonctionnerait bien. Oui, j'en vois tellement avec, je suis comme, oh, je suis loup.
Je sais qu'ils en ont fait un, puis c'est des pandarous, là, que tu peux reverse, là, puis j'ai reverse. C'est vraiment cute le chibi. J'adore le chibi style. Inverse up pour Clushy. I need one. Comme de cheveux. Hein. Bon, au pire, on va s'amuser à en designer. Je prends quand même quelques refs là. Juste pour dire que j'ai de quoi sous les yeux. Avoir une idée des flows. Bon, en plus, ça va sûrement m'aider. Je pense pour comprendre l'identité de mes émotions. Voilà pourquoi, ouais. Mais gérer ses émotions, tu sais, c'est quand même tout un travail. Puis, même du monde qui ont l'habitude, c'est pas. C'est pas facile, c'est pas facile. Puis là, tu vas le retourner, puis là, il est fâché, puis là, t'es comme. Ah ah! Moi, il attend de trouver pourquoi le flash est là pour montrer. Sauf que la flèche a juste deux stades d'émotion. Ouais, j'avoue, j'avoue. C'est négatif. Folds. Je me tiens un petit peu. Commencer par avoir une bonne shape. We'll be right back.
Ça sera ma chèque préliminaire. Ouais. J'ai de quoi. C'est plus ou moins ça, là. Dans la poche serait ici. L'année. C'est où à peu près? Ici. Puis les yeux. Ici. Dans la proportion, ça fait de sens. Yar, la symétrie est pas là, pas en tout. Et pas là, pas en tout. Ça, c'est cool ça. Pour la de 3D dessus, là. Ça c'est aussi bon. Quoi que j'aurais pu activer une symétrie. Bing bong. There we go. C'est des choses, on essaie des choses. Je ne serai pas encore les deux, mais... Je pense que ça sent-tu OK. Sent-tu OK.
La bouche est un peu plus. Un peu plus ici, genre. Oh shit. C'est le truc le plus important. Ah ah! Tu t'es préparé quoi? Ah oui, c'est quoi de yummy là? Si tu t'es préparé, en vrai. Je suis curieux de savoir. Crème de champignons, déjà, tu as attiré ma curiosité. Bon, trois couleurs et riche à ce fin. Ouh, avoue que t'es profond, t'as fait sa poche. Que ce barbecue soit encore meilleur, mais c'est justement préparer un barbecue. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. C'est pas ça qu'elle vient de manger avec. Ah, ok. Ok. Parce qu'avec tout ça, là, tu me donnes la faim, là, pis là, j'avais envie de m'en faire. J'aurais pas le temps de me préparer grand chose comme souper, en fait. J'ai quoi? Si je finis à 1h30, j'ai une demi-heure pour me préparer de quoi manger avant de partir. Je mange sur place. Je sais pas. On va voir. Mais oui. Mais oui. Je suis tout le temps curieux. Je veux tout savoir sur tout, des fois. Là. Des fois, je devrais pas. C'était weird. Pendant un instant, j'entendais plus la musique.
Wait, what? What's happening? Pourquoi j'ai plus de musique? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la musique? Wait. Hey! C'est la tonne qui est noire. Je sais pas. Je peux toujours tout ça sur tout, faut juste que tu restes dans la bouche pour pas le répéter. Fair enough, fair enough. Non, je disais surtout ça parce que j'ai été très innocent à une époque. Il y a des gens qui m'ont expliqué des choses là que j'aurais bien vécu ma vie sans savoir. Tu t'en fous de ce qu'ils sont assis. Non, moi j'aime ça, écouter le monde. Entendre ce que le monde a à dire. C'est la symétrie. Si on réfléchit, les oreilles sont à peu près là. Oups, il aurait fallu que je mette la symétrie pour au moins les oreilles. Tu peux introverti. Oui, hey, je m'excuse. Bah, il est vraiment comme malade. Je suis tellement relax que je m'endors. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Cinquante-cinquante. Moi, j'étais très introverti, hein? Mais là, je sais pas, je suis encore introverti, mais je suis capable d'être social. Ma social battery est beaucoup plus élevée qu'avant. Ok, let's design, let's imagine. Une coupe de cheveux. Tu te demandes pourquoi? Comment ça tu te demandes par où commencer. J'ai vraiment aucune idée. Okay.
dans ce temps-là, il faut juste que je pose mon crayon. Je dessine un peu n'importe quoi. Puis dans le pire des cas, on le fait plusieurs fois. On improvise. On voit si on aime ça ou si on change les choses. J'ai remarqué aussi avec les années que les personnes qui étaient plus introverties, certaines sont plus extraverties et vice versa. C'est possible, mais aussi ça dépend avec le vécu puis les expériences qu'on a dans la vie. J'imagine, non, mais je suis comme. Moi, j'ai appris à me déjeuner, puis à commencer à parler au monde, puis. Mais j'aime pas la fin. Premier sketch normal. Pas convaincu.
Oops. Open your eyes. Are we dreaming? Do you love me? Je fais ça. Smash. Je commence à aimer, en vrai. Blé. Mais moi je en ce moment ça paraît pas là parce que c'est vraiment basic ce que j'ai en ce moment là, mais mon comment on dit ça, ma signature c'est le pandaro. Je suis un petit panda roux. T'en fais pas là, parce que je... Mais mon dessin final là, ça va être un panda roux. Everybody. Petit panda aussi, t'es mon cute. Je capote sur ces petits animaux là, c'est pour ça. Je les aime beaucoup trop. Je les trouve trop mignons. Genre, regarde-moi ces petites bunes là. C'est les plus wholesome, the most cuddly creature on earth. Ils font pas de mal à une mouche, tellement ils sont cute. C'est vrai. Ils font pas de mal à une mouche. Ton Varan Komodo. On a tous nos animaux favoris. C'est juste parce que je mets le panda roux comme étant l'animal le plus wholesome sur Terre. Suivi de près par un autre animal. Mais lui, il est wholesome. Génétiquement, son carnivore.
Mais ils mangent pas. Les calamars, ils mangent des feuilles. Genre, ils mangent ce qu'ils sont pas censés manger, mais ils mangent pareil les feuilles. Les deux races de pandas, la raison pour laquelle ils sont appelés pandas, c'est que ça signifie mangeur de bambou. Les deux, ils sont classés carnivores, mais leur alimentation est constituée de 99% de feuilles de bambou ou de morceaux de bambou. Le panda géant aussi, là, c'est. Génétiquement, il est censé être carnivore, il est censé manger un peu de la viande. Il mange un petit peu de tout, il est capable de tout gérer, mais son alimentation sauvage se limite pas mal au bambou ou à des feuilles. Parfois des petits fruits, là, mais c'est bon. Hey, modératrice, bonjour, bonjour, comment ça va? Ils étaient déjà végétariens avant même qu'ils trouvent. Ben oui, mais oui, mais oui, je vais super, je vais super. On est en train de parler de Pandaro là, en ce moment. Ils étaient déjà herbivores avant. Ben, ils mangeaient déjà principalement du bambou. Puis on continue de leur nourrir là, parce que c'est pas mal avec ça qu'ils acceptent de manger. Là. Genre, pour elle. Pis genre, tu savais, techniquement, le premier panda découvert, c'est le panda roux. Le panda roux, c'est le OG panda. C'est celui qui deserve le nom panda tout court. Puis le terme panda, l'étymologie du terme, c'est vraiment mangeur de bambou. Fait qu'ils l'ont appelé panda, justement parce que c'était un petit mangeur de bambou. Mais lui, il mange pas l'écorce comme le panda géant, lui, il mange surtout les feuilles, les petites branches. Le panda géant, il a été par la suite découvert, puis c'est devenu un peu le... Et mettons que la Chine l'ont utilisé comme... Ça peut être amené avec une teinte de sucre. Le panda géant a été utilisé comme une arme de propagande pour le gouvernement chinois. Fait que c'est devenu un peu le panda dont tout le monde pense. Parce que les pandas géants occupaient un territoire beaucoup plus petit que le panda roux. Puis les pandas géants étaient seulement en Chine. Les pandas roux, leur territoire s'étendait beaucoup plus loin. Il y avait d'autres pays qu'on pouvait en trouver aussi. Malgré que là, aujourd'hui, il n'y en existe pas vraiment des sauvages. C'est très rare. Ils sont presque éteints, les pandas roux. Même chose pour les pandas géants, malheureusement. Yeah, that's a fun fact with the red panda. Bon. Je pourrais continuer à sketch la prochaine fois. Essayer de voir si je peux faire les choses. Ben, le territoire des pandas roux était partagé avec les pandas géants, mais on y trouvait quand même pas mal loin. Mais c'est pas toute l'Asie qui les abrite, là. Ils vivaient justement dans les forêts de bambou là, de l'Asie de l'Est. Asie du Sud-Est, ces coins-là. Je ne sais plus par cœur à quoi il ressemblait là, le territoire. Là. Mais. Il est pas petit. Surtout qu'ils ont été. Contrairement aux pandas géants, eux c'était surtout leur
environnement qui leur causait la mort. Les pandoros, eux, ils se faisaient chasser pour leur fourrure. Les pauvres petits se faisaient poach. Même si c'est rendu illégal aujourd'hui. Puis très en demande. Tu sais, les petits, ils se faisaient chasser pour leur fourrure. Ce qui est vraiment triste. C'est sad. Puis genre, c'est des animaux qui sont très curieux. Fait qu'ils vont s'approcher de l'homme. Les pandoros, eux, ils vont s'approcher de l'homme, ils n'ont pas peur. Sauf que les pauvres petits se sont fait tout de suite. Hey, je regarde l'heure, puis faut que je me prépare à aller à job. Fait que je pense que je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Je préférais chasser les formes miniatures au lieu des géants de l'espèce. Non mais, attends, fun fact, ils n'appartiennent pas du tout à la même famille. Pas du tout. Tandis que les pandas géants, c'est des ursidés. Même s'ils partagent le même nom, celui du panda, les pandarous sont tout seuls dans leur famille. Ils appartiennent à... Oh, je me souviens plus du terme latin, mais ils appartiennent à leur propre famille. Puis ils sont uniques. Tous leurs cousins se sont éteints depuis pas mal longtemps. Puis les pandarous, c'est les derniers de leur famille. Le panda géant, lui, c'est un ours. Mais ouais, les pandas géants... Mais je pense qu'ils s'enfuient. Il y a eu des chasses aux pandas géants. Mais c'est juste que les pandas géants, il y en avait moins en partant que les pandas roux. Fait qu'ils ont comme presque exterminé tous les pandas roux. Rip. Rip around. Yeah. Trivia de pandas roux avec nous. Oui. Ben, je serai pas en retard là, mais faut que je me prépare à manger avant là. Moi, je propose lancer un petit raid. Qu'est-ce qu'on en dit? Lancer un petit raid. Qui c'est qui est en live? Ah, Yarvex. Yarvex que j'ai comme jamais raid. Vraiment en live en même temps que lui. On va aller raid Yarvex. On va lui dire un bon petit bonjour. Bon petit bonjour. On lui envoie un raid des pandas mignons. Et pandas tout mignons. Oh, pardon. Puis nous, je pense qu'on se revoit vendredi, ouais, pour Lethal Company. Arvex. Bex, il est sur Overwatch. Parfait, fait qu'on voit le raid. Et je vous souhaite des bisous. On se voit vendredi pour Lethal Company. Puis la semaine prochaine, si j'ai pas un horaire trop chargé, je vais continuer mon streamer. À la prochaine. Merci en passant, Hellbrother, modératrice, d'être passé. Moi.